Apprends à lire avec Taïla. La dernière fois, on a vu des lettres ensemble. Est-ce que tu t'en rappelles? A I L E B D Maintenant, range les images avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un D. Où est-ce qu'on va ranger le D? Dans le D. Oui, on va le ranger dans le D. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un bol. Où est-ce qu'on va ranger le bol? Dans B. Bravo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un dauphin. Oui, où on va le ranger le dauphin? D. Dans D. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un nez. Oui, où va-t-on ranger le nez? Dans le N. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un bouton. Oui. Où va-t-on le ranger, le bouton? Dans le B. Bravo, dans le B. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un bateau. Et où va-t-on ranger le bateau? Dans le B. Oui, on va le ranger dans le B. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une dent. Une dent. Où va-t-on ranger la dent? Dans le D. Oui, dans le D. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une balle de basket. Une balle. On range où la balle? La B, dans le B. Oui, dans le B. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas? Oui. Ce sont des noix. Noix. Des noix. On les range où? On va les ranger dans le N. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un bus. Oui. Où va-t-on ranger le bus? Dans le B. Oui, dans le B. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un nuage. Oui, un nuage. Où va-t-on ranger le nuage? Dans le N. Oui, on va le ranger dans le N. Savais-tu que le dauphin est un mammifère marin? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que les femelles allaitent leurs bébés avec des mamelles. Tu sais, le dauphin, il respire grâce à un petit trou qui se situe au-dessus de sa tête. Il s'appelle l'évent. Il peut rester sous c'est l'eau. C'est quoi un évent? C'est le petit trou qui est au-dessus de sa tête. Et il peut rester sous l'eau sans respirer pendant 10 minutes. Bon, nous, on a fini la vidéo. Alors, on te dit... Merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. À bientôt.